Toutes et à tous, c'est Shiny Rayquaza, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de comment avoir des légendaires sur Pokémon Soleil. Donc on se rend à la GTS pour voir si notre Pokémon a été échangé. Je vous passe ça. Voilà, le Pokémon que vous aviez déposé a été échangé. Donc c'est le Tranchoudon que j'ai déposé. Normalement on me donne un Entei. Entei, là un Entei, bon vous le voyez pas très bien, j'en suis désolé, mais je pense que vous pouvez reconnaître quand même par rapport à la silhouette tout blanche. Bon là vous l'avez vu. La prochaine chose à faire, enfin l'étape suivante, c'est de redéposer Entei. Entei, voilà Entei, hein. Là, on le dépose, oui. Et là, vous dites le Pokémon que vous voulez rechercher. Donc moi, je vais demander un Pokémon. Et je pense que je vais demander soit Ho-Oh, soit Lugia. Donc je coupe pour réfléchir. Donc voilà, j'ai décidé de prendre Ho-Oh. Bien sûr, vous pouvez mettre le Pokémon légendaire que vous voulez. Donc bon, on va faire OK. Voilà, là on dépose. Voilà. On va faire... Voilà ça. Déposer ce po déposer un Pokémon, on dépose. Cette vidéo sera très courte. Donc je coupe et je vous reprends si dès que le Pokémon dès qu'Entei a Donc on regarde si le Pokémon a été échangé. Et voilà, le Pokémon que vous avez déposé a été échangé. Quand vous déposez Tranchoudon, Mamochon et Rhinastock, enfin je vous conseille Mamochon et Tranchoudon, ça prend du temps pour avoir légendaire, mais en général quand vous redéposez après le légendaire, et ben. Enfin quand vous redéposez un légendaire, ben, en général ça prend pas énormément de temps pour avoir un légendaire. Voilà. J'ai eu mon Ho-Oh. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la partie 2 de comment avoir des Pokémon légendaires sur Pokémon Soleil. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!